les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui moi et mon frère on va aller manger, on va aller déjeuner. C'est un nouvel endroit. Dans un nouvel endroit. Ça fait trois fois qu'on essaie de venir manger ici au fait. Non, combien de fois? Trois fois. Ok, là c'est la troisième fois. Mais on est venu hier, avant hier, et quand on venait, qu'est-ce qui arrivait Bijou? On venait toujours à la fermeture. Ouais. Mais non, en vrai on venait à l'avance. La fermeture de la cuisine. Le restaurant ferme à 15h, on vient à 15h30, il dit c'est fermé. On est à 14h30. Il dit c'est fermé. Donc aujourd'hui, on essaie de venir plus tôt. Il est actuellement 13h, donc là, on espère pouvoir manger. On va pouvoir manger. Anyway, qui vont dire, ok, c'est fermé, frère. Il est 13h. On est 2h à l'avance là, de la fermeture. Donc là, on va y aller, les gars. On va manger ça. On va découvrir ce restaurant-là. Ça fait 3 jours, j'attends. Restez jusqu'à la fin, quoi. Donc, like la vidéo. Abonne-toi, c'est pas quoi j'ai fait. Et puis, on y va pour la vidéo. Là, t'as mangé? Oui, j'ai faim, boum. Les gars, on vient de rentrer, ok? Bijou, tu sais qui est là ou pas? Comment il s'appelle? Tu n'as pas reconnu? Viens. Il dit qu'il y a une spaghetti. Il y a une spaghetti. C'est quoi son nom? Dimitra. Il est là. Les gars, il est là. Merci. Merci bien. C'est pas lui? Je ne veux pas me voir. Lève-toi, Bijou. Va là. Va devant la télé, tu vas le voir. Va là. Tu as vu? T'as vu ou pas? Yo. On va faire du ou pas? Ouna. What? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas posté sur les réseaux? Ça fait longtemps qu'il a arrêté. Il a arrêté, je vais le demander ou pas? Non. Bon, ça prend quoi, Bijou? C'est quoi, c'est ça? Ça prend quoi? Première chose, c'est ça. C'est quoi? Regarde combo. Il y a des wraps poulet et avocat. Ça l'a prend. Wraps poulet. On est là pour déjeuner. On est là pour déjeuner. Ah, mais si tu veux prendre un dîner, tu peux en prendre un. Hein. Donc les gars, on a déjà passé nos commandes et puis là, on va passer la commande pour nos posages. Quoi? Chocolat chaud de luxe. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'on a commandé. Et puis là, on attend la meuf pour qu'on commande du jus, quoi. Parce que quand on a vu le prix du jus, là, on a dit qu'elle va revenir. On l'a dit de partir, de revenir. Regardez le prix du jus, les gars. Un jus d'orange, ok? Juste pour un jus d'orange. 6 et 25, frère. Ça, c'est trop. Mais il y a des smoothies qu'on peut partager. Quel smoothie? Moi, je veux pas un smoothie, moi, je veux un jus. C'est un jus? Regarde! Ça, c'est un jus carrément. Frère, c'est un jus d'ananas, ton jus préféré. Plus des mangues et des pêches. Ça n'est pas bon, ça? Un jus d'ananas, ton jus préféré, plus des mangues et des pêches. Ouais, vous avez des jus de pommes ou non? Oui. Mais c'est combien? On ne les voit pas. 75, puis c'est genre un verre comme ça? Comme ça? Puis le jus d'orange pressé, c'est aussi comme ça? Un peu plus bien, mais c'est plus cher. Mm-hmm. Le jus d'orange régulier, qui est environ la même prix que le jus de pomme. Oh! Donc ça, c'est juste celui-là qui est à 6$. Oui. Et les smoothies, parce que c'est des boissons spéciales. Okay. Les autres jus sont moins chers. J'ai canneberge, ananas, pomme. Ouais, jus d'ananas? Oui. Je vais en prendre un. Parfait. Et puis, oui. Toi, tu vas prendre quoi? Il y a quoi? Quel est le savon? Pamplemousse, pomme, ananas, cannelle. Est-ce qu'il y a moins? Non. Je vais prendre ananas aussi. Allez, bisous. Donne-moi ton front, donne-moi ton front. Allez. Quoi, donne-moi ton front? Ton l'enfant. Mon fils. Tu le bats à tout pied, je le bats au basket dans la vraie vie. Bon, tu regardes cette vidéo, je te bats au basket. Bon, on y voit n'importe qui, je vous bats tous. Ah, Bijou! Victor Wembanyama va voir la vidéo là. Il faut qu'on leur dise un peu ce qui s'est passé. Mais je t'ai battu hier. Les gars, j'ai battu Bijou. De 1. 4 à 2. 6 matchs de 11 points et je l'ai battu 4 fois sur 6 fois. What are you talking about? Ouais. Comme ça? En tout. 2, 1. Et l'autre chose m'a battu 2 fois sur 1 fois, mais comme c'est gagné aussi 2 fois. Non, parce donc là, j'ai gagné en tout. Il y a une game qui comptait pas. Ah, mais disons, si on la compte, si on la compte. 2-1 à 2-1 à 2-1. Là. Voilà! Non, mais t'as gagné 6 fois, t'as gagné 2 fois! 2-1! Eh ouais! Merci! What are you talking about? C'est bon? C'est meilleur que celui de Maxi. Celui de Maxi, il est trop lourd. Ouais. Il est bon, les gars. En vrai, si je le finis, si je le finis, j'ai pas encore fini mon déjeuner, les gars. J'en prendrais bien un deuxième. Pour nous. Et lui va déjà finir ça. Non, je vais laisser de côté parce que toi, tu vas faire ça tout de suite. Je vais pas finir. Non, tu vas le finir. Pour cette fois, je vais pas finir, je t'ai dit. Tu vas le finir, t'es trop rapide. Pour cette fois. Avant que le déjeuner arrive, j'aurai fini ça. Pour cette fois, je t'ai dit, comme j'avais prévu de pas finir. Je vais laisser à côté. Ok, mais ça, je prends rien. Parce que
si je voudrais finir, j'allais dire, passe mon verre. J'avais déjà prévu de ne pas finir. Okay. On attend le déjeuner, j'ai battu Bijou 4 à... Allez, 3, allez. 5 à 2, 5 à 2, 5 à 2. 5 à 3, 5 à 3. Ok, je comprends vraiment pas. T'as gagné Bijou, 2-1. Jour 1, jour 1, j'ai gagné 2 à 1. Non, 2-1. Jour 2, j'ai gagné 2 à 1. T'as gagné 2 fois, j'ai gagné 1 fois. Puis là, on a fait un autre match, on a fait un autre match. Il pouvait compter, mais il pouvait compter. Si on pouvait le faire compter. Là, c'est 3-3. Je sais pas, c'est que ça fait 6. Je sais pas compter, bon. Les gars, si vous voulez une vidéo où on joue 1v1, dites-le-moi dans les commentaires, on va jouer. Toi, tu penses que tu vas me battre? Facile. Il est grand de taille? Non. Donc les gars, il vient de sortir, mais tu vois. Bijou dit qu'il est grand, mais moi je suis plus grand que lui, j'ai l'impression. Bijou, t'étais assis, comment tu... T'arrives à voir sa taille? T'étais assis, il a passé comme ça. C'est vraiment difficile. Moi, je savais qu'il habitait ici. Hein. Tu sais que quand j'étais à l'école, là, une fille dans ma classe disait que c'était son ami. Moi, je savais qu'il habitait ici? Au Canada. Ah, moi, je savais pas. T'as pas vu son accent était québécois. Je peux faire attention. Tu vois, il était français? Ouais. Bon, les gars, là, on attend la boue. J'espère que ça va prendre trop de temps. Il est quelle heure, là? Donc là, ok, j'allais dire que c'est à cette heure-là qu'on vient, mais non. C'est dans une heure qu'on vient. Il commence à fermer. Mais Josiane est venu plus tôt. On va bien manger. Donne-moi ton front, allez. Mouah. Mouah. Vous voyez son front, les gars? Attends. Mouah. Voilà. C'est bon? Quoi? C'est bon, les patates. Ils étaient vraiment radins avec mes yeux. Regardez ça. Ça, c'est même pas un œuf, c'est un peu mieux. Les patates sont tellement bonnes. Elles sont bonnes? J'ai pas de pain? Ça arrive. Mais chef, c'est du pain. Mettez-le en même temps, non? La sauce, c'est bonne, les gars. Goûte les patates, tu vas voir. Là, goûtez, ouais, c'est bon. J'ai une bacon pour la saucisse. Mmh. C'est pas bacon. Ok. Merci. 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 Gaufre aux bananes et au Nutella. Et moi, j'ai pris une gaufre aux amandes et au Nutella. De base, je voulais prendre une gaufre aux fraises, mais c'est un extra les fraises. 3$ de plus, donc là j'ai juste préféré prendre ma gaufre aux amandes. On finit tous les deux avec la gaufre, donc là les gars, à la fin de la vidéo, à la fin de notre discussion, on va manger nos gaufres. T'aimes pas la saucisse? Moi j'aime la saucisse. J'aime, mais en vrai, elle a un goût trop fumé. Petite pousse fruit. Orange. Imagine manger des patates, du bacon, des œufs et manger un fruit à côté après. Comment des glaces dans ta bouche? C'est vrai, ça goûte bizarre. C'est ça, j'ai dit. Tu vas pas prendre la mayonnaise? Non? Ça m'étonne que Bijou n'a pas encore fini son jus d'ananas. J'ai oublié. Aujourd'hui, c'est contrôlé. Yo, je m'en fous, ils donnent même pas beaucoup ici. Ils sont vraiment surfus avec la quantité. Bro. Même moi, les patates, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas eu autant que Bijou. Patates, ouais. Je vais dire, ouais, la raison, il n'y a pas beaucoup. Ça, il n'y a pas beaucoup. Je suis comme toi avec ton jus. Il a fini. Il a fini. Regarde, il a fini. C'est mon jus, non? Le jus, c'est fait pour boire aussi. C'est ton jus, c'est ton jus. Tu fais la confiture? Ouais. Je pourrais manger garé. Tu mets ça à la fin? Ouais. Après la gaufre, pardon, la gaufre.
T'as dit on finit avec la gourde d'un. Un avant et l'autre après. Compote de pommes. J'aime pas trop. Maman? J'aime pas? On dirait qu'elle est trop usée. Comment ça, elle est usée? C'est quelque chose que tu manges, frère. Comment quelque chose que tu manges est usé? À mon toast, ton futur. Oh, je suis sûr. Je vois plein de gens faire ça. Confiture beurre de peanut. Confiture beurre de peanut. Où ça? Où c'est là-bas? Est-ce que ça est bon, mec? Et là, parce qu'à l'instant, pour moi, c'est validé. Hein. Tu dis? Ça, c'est validé? C'est validé, mais c'est juste qu'il n'y a pas cette quantité. Désolé. Ils sont trop calculateurs sur la quantité. C'est ça qui veut faire des profits? Ok, il veut faire des profits, mais nous, on est venu ici, on a payé la bouffe pour manger. Tous, confiture, peanut. Je pense que la prochaine fois, si on vient ici, je vais prendre la caméra, je vais venir devant eux. Ça, là, ils vont abuser de la quantité. Ils vont mettre beaucoup. C'est la solution. Mmh. C'est bon? Pas, mais comment pourraient les gens prendre ça? Non, pour le vrai, c'est vraiment bon ou non? Le mélange sucré-salé. Mmh. Ok, fais-moi ça en attendant. Mon pain qui reste. Avec beurre d'arachide? Non, non, non. Simple. Sans beurre d'arachide, juste ça. On voit la compote. Il a dit que ça avait un goût d'usé. On va voir ça. Et tu veux? Goûte. Laisse. C'est vrai que ça goûte un peu le vieux. Ça passe. J'ai mis mon napkin. Bon. Ouais, on compte tout à l'heure. Moi, je suis prêt à déguster. Hein. Première piste. J'ai mis la banane. J'aime pas les bananes. C'est bon? Ouais, mais goûte tout. Ah. Fini mes bananes et là je pourrais bien manger juste ma gaufre, Nutella. Pourquoi ne peux pas manger la gaufre et les bananes en même temps? Je n'aime pas le mélange. Ah. Bon. Je n'avais jamais mangé d'amande comme ça auparavant. Comme tout seul. Moi j'ai déjà mangé. T'en as déjà mangé? Ouais. Quand? À l'école. Il reste une pile à faire ça. Je ne veux pas que ce soit croustillant. On entend les craquements là. Mais. Croustillant à l'extérieur. Et mou à l'intérieur. Ouais. On va payer et puis on se retrouve dehors. C'est comme ça? On va amener le review. On se retrouve dehors pour voir ce qu'on a. T'as mangé ça? Ah, c'est vrai.
on se retrouve dehors pour pouvoir parler de notre expérience pour la première fois ici. On s'est passé quoi? Plus la meuf là, je remarque qu'elle commence à nous regarder pour nous dire ce que je viens avec la facture. T'as pas remarqué? Elle nous regarde, elle nous regarde là. Je sais pas si elle pense qu'on va run. Non, on va pas run. On est là. Tu vas la voir finir de nulle part encore. Comme. Peut-être à un moment qu'on nous demande, si j'amène la facture, on reste comme ça? Tu vas voir. Je pense qu'elle est inquiète comme on run parce qu'on a rien mis. À la fois qu'on demande la facture. Donc les gars, on vient sortir de là-bas. C'était juste là, je viens de payer. Je devais un bon pourboire. Et puis avant de sortir, je dis à la dame, est-ce qu'on peut racheter le jus d'ananas? Parce qu'on a trouvé qu'il était bon et on peut l'apporter à la maison. Ce qu'elle m'a dit m'a choqué. Elle a dit quoi, Bijou? On peut le trouver de l'arôme. Les gars, elle a dit on peut le trouver de l'arôme. C'est ce que vous dire? Dans le magasin là? Deux et quelques. Au Dollarama, le jus d'ananas pourrait coûter $1. Un litre, $1. Juste là, là. Juste là, là, les gars. C'est quoi ce foutage? Le jus d'ananas a l'air spécial et tout. Je demande à la dame, elle me dit en plus, non, la salle de Dollarama. Pas l'acheter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À une autre vidéo, les gars.